Hola tout le monde! Comment on se retrouve? Début de ce 28e vlog. Un vlog qui va être pas mal chargé, je pense. Très sympathique. Pas mal d'activités, notamment avec le fraté Pierrot. Il y a pas mal de trucs qui veulent que je participe, que je l'aide à filmer, que je sois présent, donc c'est cool. Moi je prends, ça me fait découvrir la façon de travailler dans la vidéo, compagnie, d'être présent sur des tournages, donc c'est cool. Ça commence de suite, là je m'y dirige, avec un petit tournage pour lui, donc direction par Jean Drapeau pour filmer une skateuse qui danse sur un longboard, donc ça va être cool. Moi c'est la partie drone. Mais au moins je vois comment il prépare tout ça, comment il planifie et tout, donc c'est plutôt cool. Dans ce vlog il y aura aussi ma finale de hand. Ben là c'est lui qui vient me filmer. Il m'a proposé de me filmer, moi j'ai accepté gentiment. Donc il y aura des qualités de fou pour le match, en espérant la victoire. Et après, direction Ottawa, comme je vous le disais depuis un petit moment. Où là, j'y vais pour l'encourager, courir le semi-marathon et en même temps voir la ville. Donc pas mal de belles choses dans ce vlog, et ça commence maintenant. S'il est goofy ou beau. De toute façon, le skate est déjà. De retour de tournage, c'est très stylé ce qu'a fait un skate, c'est très beau. C'est balèze, c'est fort. Je vous en ai pas mis beaucoup parce que c'est son tournage à lui, donc c'est pas à moi de vous montrer. Si vous voulez aller voir, c'est sur son Insta. Mais je suis pas sûr que ce soit sorti au moment où je vous mets le vlog, mais sur son Insta, il y a plein de vidéos incroyables dans le même style sur le sport. Donc c'est grave cool. Moi je vous mets mes petits plans de drone et voilà, c'était sympa de découvrir tout ça et j'apprends sa compagnie, donc c'est plutôt cool pour moi si un jour je veux me spécialiser dans la vidéo de drone, pourquoi pas. Faut apprendre, faut découvrir de nouvelles choses dans la vie. Jour de finale mesdames et messieurs, aïe, ça y est, dernier match du championnat, c'est la finale, la grande finale pour nous. On va essayer de la gagner, de ramener la coupe à la maison comme on dit par chez moi. Je vais aller voir la fin de la petite finale d'abord, et après ça va s'échauffer tranquillement. Rentrer dans son match mentalement et tout donner sur le terrain, c'est le moment. Faut s'arracher, se faire mal. On va essayer de finir cette saison en beauté. Les deuxièmes finalistes, ils ont perdu qu'un seul match de la saison, c'est contre nous. Sur trois fois où on les affronte, on les a battus une fois. Donc c'est faisable, tout est faisable, c'est une finale. J'espère que la prochaine fois que je vous parle, je vous aurai dit on est champion, on verra. Let's go, le sac est prêt, direction le bus, et on va tout arracher, c'est parti. Bon, aujourd'hui ça bloque fort. Et oui les amis, je viens tout juste de poser le vélo, et maintenant je cherche l'endroit où il y a ce match. RSEQ championnat, c'est pas là. Je me retrouve dans un final RSEQ cégep. Bonjour. Est-ce que vous êtes au courant du handball ici? Non? Ok, parfait, merci beaucoup. Bon, frérot, ton sport. Il y a vraiment une soirée cégep. Grave drôle. Bon, c'est pas là. Et en plus, je suis en retard parce que le match il a commencé. Où est-ce que je suis? Bonjour. Excusez-moi, je cherche le handball. Il y a un tournoi de handball, non, ce soir? Ça te dit quelque chose? Non, the sport, handball. Ah non. Non? Ok. One eternity later. Alors, je devrais finir par trouver. Je commence à arriver dans un endroit où on se dit c'est peut-être du sport. J'ai entendu du bruit, genre des terrains, je sais plus trop. Parfait, ok. Bon. J'ai trouvé santé. Alors, je vais essayer de faire le commentateur Greg, mais je m'y connais pas trop. Allez, les gars. On part.
Il y a Greg qui rentre sur le terrain. Le joueur français, le joueur toulousain. Let's go le Grec! Oui monsieur! Allez, 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 je suis sur le bras. Vise à gauche! C'est Iron Man mon pote. Faut marquer Greg. Allez, 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 allez. Bien. Merci Greg. Ok, ok. Hop. Ça remonte, ça remonte, ça remonte. 7 à 12. Hey, Greg, moi. On lève les bras. Bien, grosse défense. Let's go. Ça c'est le grand angle. 16. C'est pas mal hein. C'est énorme. Mais bon, là mec faut gagner hein. Là faut aller chercher hein. Pour le scénario. Faut aller chercher ça pour le scénario là. Pour Grégouz. Deuxième mi-temps. 11 à 15. En vrai c'est serré. Il y a moyen ils peuvent revenir. Greg il m'a dit qu'il jouait très mal. Ils sont en train de faire la remontada. Hein. Il y a 14 à 15. Tout se joue maintenant, hein, comme l'a dit Greg. Hein. C'est pour la beauté du jeu et pour la caméra. Hein. Mais il se rassoit par contre. Pourquoi Greg il joue pas là? Je comprends pas. Allez Greg! Merci! Il a volé dans les cages. Merci!
Non, je rigole, ça fait 30 minutes. Ça fait peut-être 20 minutes. Genre, j'ai vu la fin du match. À l'avatar. Greg, il a tout entendu, ça va passer dans son vlog. Hein. Yo, mon ref, je suis désolé, je suis arrivé à la bourre, la musique, tu connais. Il a gagné, t'as vu, hein. Ouais, non, il a perdu, j'ai compris. J'ai essayé. Mais j'ai vu un de tes buts, mon ref, énervé, franchement. J'ai vu, tu t'es jeté par terre de fou. Mais il a fait pas. J'ai pas tout compris les règles par contre. Mais il a mis plein de buts en vrai. En tout cas, mon ref, t'as géré ça. C'est dommage, hein. C'est dommage, ils ont perdu. Mais en tout cas, ça a bien joué quand même. Parce que j'ai pas compris, j'ai compris que c'était un mélange entre basket, foot et rugby. C'est intéressant, c'est la première fois que je venais voir du handball. Je pensais pas que ça pouvait être aussi violent des fois. Mais ouais, ils se. Ça se castagne, hein. Eh, ils étaient pas loin, mec, à un moment, il manquait un point. Mais à part ça. Bouh. Non, non, bien que vu. Greg il tienne la coupe. Et le sport, c'est évidemment la cohésion d'équipe. Le champion dépité. Toi t'as mis v'là les buts, hein. Ouais. J'ai loupé celui qui l'avait pas. Mais t'en as mis plein, mec. Terra, c'est genre du hockey mais ouais, sans glace. Ça. En fait, c'est bizarre de dire t'as le droit de refaire une bonne défense pour faire des fautes, faire des belles fautes. Vous avez kiffé quand même. Ouais, c'était cool, mec. Franchement, c'est en voie du lourd. C'est pas notre meilleur match. Dommage. Le mec, tu l'as plaqué, on dirait t'as fait du rugby. Mais à quel le moment tu le retiens, que tu le balances pas, que tu fasses à lui, t'as le droit en fait. C'est trop fort, mec. C'est ça qui est bizarre. Ben là, à la fin, quand je prends 2 minutes, c'est parce que le mec est passé, je le tenais encore, donc là, je prends 2 minutes. La faute est pas belle. Admettons le mec là qui est arrivé, qui a plaqué le grand champ blanc. Non, mais là, c'est parce qu'il avait sifflé, sinon il prenait 2 minutes. Non, t'as pas le droit de plaquer autant, il était sur le côté. Faut être vraiment de face, le retenir, le choper. Non, c'était cool en vrai, c'était vraiment sympa. Malheureusement, pas de victoire aujourd'hui, les gars. Mais au montage, tu peux t'en rendre. Mais c'était avoir très le scénario cool. De rêve remonté à seconde mi-temps. Au montage, pas que toi, on a loupé des passes, on a loupé tout ça. Ouais. Tu sais, on part bien contre la mi-temps. Ils avaient un bon gardien aussi en face quand même. En face, très bon gardien. Ouais. Le gars, ouais, il nous en a sorti, mais on a compris la faille. La fille aussi, elle était là un petit peu, elle a fait des trucs. Non, ça veut dire, on a pas été bon. Ça joue à rien le match. Vous allez venir boire encore une ouvre en fait. Pareil. Nous on est des charbonneurs dans l'âme, on doit aller bosser. Allez vous abonner. C'est important. Ce week-end, direction Ottawa. Il y a le frate Pierrot qui va faire le semi-marathon. On va l'accompagner. C'est l'occasion de faire Ottawa. C'est entre copains, ça va être rigolo. Faut l'encourager quand même, faut le soutenir. Il s'est donné à fond depuis janvier pour faire un sacré temps, donc on va donner de la force. Ça y est, on vient d'arriver à Ottawa. 3 heures de route. On est parti à 2 voitures, du coup je sais pas où il en est Pierre, mais les inscriptions c'était jusqu'à 18h, ils sont arrivés à 18h10. On sait pas trop où il en est, j'espère que ça s'est bien passé, on le retrouve après. Mais je suis claqué, la petite sieste dans la voiture m'a tué en plus, vivement le repos après ce week-end. On essaye de retrouver le frérot, mais il y a du monde partout. Ma galère à se garer en plus, c'est une misère avec le marathon. Toutes les rues sont barrées, toutes les places sont prises. Oui. Il fait mauvais. Si ça reste comme ça, au moins il aura une bonne température avec la chaleur qui va monter. Là ça va, je pense pour courir là c'est le temps idéal limite. Thank you so very much. We are less than a minute from the start. Only moins d'une minute du départ. We're going to get the runners. 3, 2, 1. Sur cette partie de vlog, ça sera plus la partie touristique d'Ottawa de mon côté. Si vous voulez voir la course, le marathon, la prépa qu'il a fait le fraté, faudra aller voir sa vidéo sur sa chaîne. Là, ici, c'est plus un mode vlog pour découvrir de la ville et l'ambiance du marathon. Regarde-le. On fait des plans dans tous les sens, on sait jamais. En vrai, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de. Les bâtiments qu'il y a, ils sont beaux quoi. Ouais. C'est les vieilles architectures là. Bienvenue à Ottawa. On n'est plus au Québec là.
Ouais, Franté. Donne tout, mec. Maintenant, faut rentrer. On est arrivé il y a 5 minutes sur le spot. Putain. On a vu. Ça fait combien, là? Il est au 15 km, ça fait? Il est au 15 km, ça fait 1h06 qu'il est parti. Il est chaud. Le nouveau youtubeur. Le nouveau Squeezie, il est là. Regardez-le. Bon, on vient d'avoir l'info du reste du groupe. Apparemment, il est arrivé. Il est arrivé à 10h05. Alors, est-ce que leur message est arrivé en décalé? Est-ce qu'il a mis 1h35? Je sais pas exactement. Mais gros respect à lui. Il a charbonné pour, il s'est donné à fond. Là, on se dirige vers l'arrivée pour les retrouver, pour le retrouver. Et le féliciter. C'est beau ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est l'ambiance ici, l'ambiance au marathon, je la trouve incroyable. Les gens, ils s'encouragent tous. Il y a un mood très positif. Les gens, ils sont tous gentils entre eux. Il y en a, ils me regardent chelou parce que je vlog. Mais tout le monde qui encourage tout le monde, même si tu connais pas les gens, tu les encourages, tu fais des high five. Il y a plein de panneaux, plein de gens qui préparent des ravitaux. Médaillé. Ça va les gars? Bien joué. Ça fait belle du coup. T'as géré? Regardez-moi ce BG avec la petite médaille. Vlog plutôt sympathique. Un peu plus long que d'habitude, je vous le cache pas. Je voulais vous montrer pas mal de choses, je voulais vous mettre le match en détail. Cette finale malheureusement perdue. Mais c'était très sympa. Le soleil de retour, qu'est-ce que ça fait du bien. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, c'est incroyable. De partir se balader en vélo, de profiter du beau temps, c'est trop bien. Donc que de belles choses à venir dans les prochains vlogs. Et vous allez voir, le prochain il va changer un petit peu. Donc il est maintenant l'heure de clôturer ce vlog. Sur ce, des gros bisous, je vous donne rendez-vous dans le prochain vlog. Ciao ciao. Ciao ciao.